Salut tout le monde, ça c'est Alexandre Wiesbauer. Désolée pour ma voix encore une fois parce que je suis encore malade. Je suis vraiment désolée parce que franchement je sais pas quoi dire mais ça me saoule déjà trop. Mais bref, c'est pas grave. J'ai juste faire une nouvelle review parce qu'en fait hier j'ai acheté une super poupée. Enfin, j'ai pas acheté. Quelqu'un m'avait donné cette poupée parce qu'elle me ressemblait un peu cette poupée et donc j'ai décidé de la faire maintenant. Et plus accessoires, plus les nouveaux vêtements que j'ai eu qui va avec. Et puis voilà quoi. Donc c'est parti. Et désolée pour ma voix. Donc c'est une poupée très rare, mais comme c'était une nouvelle, mais c'est pas une nouvelle. Donc il s'agit de Barbie. Voilà. Oui, alors comme vous pouvez voir, j'en ai marre d'avoir une première Barbie parce que j'arrive pas à les laisser changer normal et puis la tenue normale. Parce que en fait je voulais simplement avoir une deuxième poupée idéale pour que je fasse de laisser leur transformation idéale et que l'autre je vais laisser en normal. Et du coup je l'habillais comme ça parce que c'est sa tenue de normal, de l'origine. Et du coup c'est ma petite cousine qui m'avait donné pour moi parce que comme je n'avais pas cette poupée et comme je l'ai trouvée, alors je suis super contente. Comme ça, je vais la laisser comme ça. Mais par contre, ses cheveux sont pas un peu qualité. Mais je trouve qu'elle est bien. Parce que l'autre... Attends, je vais vous la montrer. Voilà. Donc, elle est comme ceci. Ça, c'est Barbie, la fée de la corsière. Et comme j'ai deux poupées Barbie à la même... je dirais la même visage. Et à la même couleur. Et même ses cheveux. Et du coup, comme j'ai décidé de l'acheter, j'ai décidé de laisser cette poupée en transformation normale, enfin transformation en fée, je veux dire en pouvoir de la corsière, et que l'autre, je vais laisser en normal, comme ça, il n'y a pas besoin de se changer, transformer en fée et tenue normale. Et c'est pour ça que forcément que je vais avoir une deuxième poupée de Barbie, mais il s'agit de Jessica. La sœur de Barbie, bon, c'est vrai que vous connaissez pas trop dans la série des Wings que je suis en train d'essayer de faire ma tournée. Pour le moment, je peux pas parce que ma gorge est impossible de faire ma série parce que là, c'est vraiment pas possible. Et du coup, j'ai décidé de la prendre cette poupée parce que ça fait une tenue normale, pardon. Et l'autre, je vais laisser en transformation en fée. Et voilà pourquoi j'ai décidé de les acheter comme ça. Mais bon, elle est vraiment super belle, magnifique. Et je suis vraiment hyper contente que j'ai trouvé enfin. Parce que comme elle a le même visage, et du coup je l'ai pris. Voilà. Et c'était juste que comme j'en ai marre de se changer normal et transformation en fée, que j'ai fabriqué moi-même, enfin ses ailes quoi. Par contre, j'ai pas mis ses chaussures pour normal, mais d'habitude c'était ses chaussures. Mais comme je vais laisser ses chaussures pour la transformation, et du coup, voilà quoi. Donc voilà, c'était juste pour une petite review de une poupée de elle, parce que l'autre je vais garder pour que je fasse sa transformation en fée, enfin une transformation normale quoi. Et par contre, j'ai des nouvelles vêtements et j'ai des nouvelles de accessoires et des chaussures. Voilà. Je vais vous montrer maintenant. Et voilà. Donc voici les vêtements que j'ai eu avec la poupée que ma cousine m'avait donné. Et ça c'est le super pantalon rose, magnifique. Elle est vraiment super belle. C'est un truc de fou qu'elle est vraiment magnifique. Désolée pour ma voix parce que j'ai vraiment m'énervé. Ça c'est une super tenue idéale pour la transformation, mais après je ne sais pas. J'hésite entre celle-là et puis celui-là, parce que celle-là elle est vraiment magnifique. J'ai jamais vu cette vêtement qu'elle est aussi belle. Mais franchement, c'est un truc de fou qu'elle est vraiment super belle, magnifique. Et du coup, voilà quoi, elle est vraiment super belle.
Et c'est là aussi parce qu'elle a pensé un peu à la transformation de Bloom Sirenix, mais bon. En tout cas, elle est vraiment super belle, mais peut-être que je pourrais utiliser cette poupée. Désolée pour ma voix, ça me saoule. Je sais plus quoi faire. Bref. Donc, celle-là est magnifique. Alors, ça, personne ne connaît cette tenue. C'est celle de la tenue de Barbie. Je sais pas quoi. Et du coup, elle est sortie en 1999 et puis 2000. Elle était sortie, je crois, les deux. Et du coup, je l'ai pris comme ça. Voilà. Et cette robe est magnifique. On dirait penser à le trou de cabaret. Magnifique. J'adore. Et ce. Désolée pour ma voix. Et ce haut, elle est vraiment magnifique. Elle est vraiment super belle. C'est trop de faux que les vêtements, ils sont très 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 rares à retrouver. Mais elle est vraiment magnifique. Et du coup, vous verrez ça dans ma série. Mais ce sera une surprise. Voilà. Donc, on passe à accessoires pour les chaussures. Voilà. Ensuite, on passe aux choses sérieuses et voici les nouvelles chaussures que ma cousine m'avait données aussi. Mais par contre, ces chaussures, mais waouh! Elle est vraiment magnifique. Elle est vraiment super belle, surtout celui-là. Oh le noir, putain, elle est trop belle. Par contre, j'ai pris les chaussures basket parce que j'aime bien. Ça a pensé un peu que les Wings ont été en train de faire. Enfin, désolée pour ma voix parce que ça me casse les couilles. Surtout que j'ai un problème un peu. Mais bref. Mais les baskets, ça a pensé un peu. Ah, pour faire du sport. Et voilà pourquoi qu'elle est belle. Et surtout que ces deux chaussures-là, les deux paires, elles sont magnifiques. Bon, bref. Bon, on passe aux choses sérieuses. À l'autre accessoire. Donc voici les couronnes. Mais je me demande qu'est-ce que je pourrais faire les couronnes. Dis-moi en commentaire s'il vous plaît. Mais peut-être que j'ai trouvé une solution. Peut-être que les poupées, enfin les gardiennes des fées, enfin je n'en dis pas plus. Vous avez déjà vu mes épisodes des Winx que j'ai fait. Et du coup, peut-être que les couronnes, ça pourrait pas mal s'ils ont reçu leur nouveau super pouvoir. Peut-être que je pourrais avoir une deuxième poupée de Barbie, mais je sais pas lequel. Mais je crois que c'est Barbie et le secret des fées. Parce que j'ai vu ça sur Amazon, mais bon, il coûte hyper cher. Et j'ai un peu peur pour mon argent. Voilà. Et du coup, j'ai pas trop envie de le gaspiller. Mais elle est vraiment super belle. Mais bon, vous verrez ça. Je ne sais pas quand, mais bon, vous pouvez. Et bon, bref, écrivez-moi de commentaires comment je vais faire pour les couronnes, les trois couronnes. Là, on sent une couronne de sirène, l'autre de la princesse et l'autre. Aucune idée. Je dirais plutôt comme ça, quoi. Mais vraiment magnifique, les couronnes. Et puis après, voilà quoi. Bon, on passe à la suite. De l'accessoire de les poupées. Ensuite, on passe les téléphones. Oui, c'est ça, c'est les téléphones. Et du coup, comme je n'ai pas assez de téléphones pour les Wings et même pour les poupées, quoi. Enfin, les poupées Barbie, quoi. Désolée pour ma voix parce que ça me saoule. Et je n'arrive pas à parler un peu moins fort. Je sais parler un peu doucement, mais j'arrive pas. Ça me saoule. Et du coup, bah alors je l'ai pris parce qu'il est vraiment magnifique, les couleurs de téléphone portable. Et comme ça, les poupées pourraient essayer de la voir. Voilà. Et du coup, elle est vraiment super belle, magnifique. Je suis désolée pour la vidéo qui est un petit peu longue. Oui, c'est normal parce que j'ai acheté plein de trucs, plein des trucs et accessoires. Donc, on passe à la dernière accessoire. Donc, il s'agit de les lunettes de soleil. Mais comme j'aurais pas pensé tout le temps à quelqu'un, il s'agit de Stella. Parce que comme elle a les lunettes de star, alors du coup, je voulais mettre aussi pour Stella. Mais Stella, c'est pas celle des Winx, c'est
c'est celle de les poupées Barbie. Mais je suis vraiment dégoûtée parce que franchement, j'aurais bien trouvé une autre paire de lunettes de Stella pour elle. Pour qu'elle arrive bien à voir un peu sa tronche. Parce qu'elle fait mort de rire à chaque fois. Et du coup, voilà. Elle est vraiment super belle, ses lunettes. Elle a une petite fleur dessus. Mais bon, attends, je vais vous la montrer avec la poupée de Flora. Pour voir si elle le tient. Et voilà. Vous avez vu comme elle est belle. Mais par contre, en fait, ça le va aussi que à Flora. Mais pas un peu différent, quoi. J'y comprends plus rien parce que d'habitude les poupées Winx ça ne vient pas du tout avec les lunettes de Barbie, enfin les lunettes de soleil. Et du coup je l'ai mis avec elle, mais elle est vraiment magnifique avec ses lunettes. Bon elle est vraiment trop petite, mais bon c'est pas grave, ça le fera peut-être plaisir. Voilà. Et voilà pour les reviews et je suis super contente parce que j'ai des nouveaux de vêtements pour les poupées Barbie, comme ça fera une petite transformation. Après, je ne sais pas trop sûr, mais peut-être que je ferai une transformation de Flora parce que comme je n'ai pas la vraie transformation, la pauvre, elle est vraiment toute nue. Et il faut absolument que j'essaye. Et après, je sais plus. Mais je suis trop contente parce que comme j'ai enfin retrouvé la poupée de Barbie, elle est vraiment magnifique. Comme ça fera une tenue, une tenue normale. Et l'autre, c'est celle de transformation en fée. Enfin, la fée de... Ah, mince. La fée de l'arc-en-ciel. Voilà. Et comme elle a le même visage. Et du coup, je l'appelais Barbie. Et puis comme ça fera un peu joli. Voilà. Oui, parce qu'elle a les cheveux hyper longs. Et que l'autre que je l'avais, elle a les cheveux un petit peu courts. Ah bah oui, parce que quelqu'un a coupé. Et c'est vraiment pas très top. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous, on se retrouve très 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 vite, très bientôt, dans nos nouveaux prochains vidéos. Bye. Désolée pour ma voix parce que ça me saoule. Voilà, désolée. Bisous à tous.